Re tout le monde, c'est toujours Capi. J'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve pour la 17e quête pour le Dofus Emerald. Donc on avance, hein, quand on regarde 17, c'est quand même un assez gros chiffre. Donc on était à la. Enfin, on venait de terminer la première quête qui était dans le succès. Donc là, on continue de parler à Bowis et il nous lance la quête suivante. Donc la quête c'est qui botte le cul des culbotés. Voilà. Donc on doit lui ramener à Bowis 10 champignons ligneux et 20 crânes cordonnés sombres. Je sais pas où on peut trouver des champignons comme ça, mais bon. On va aller. Et où c'est les cordonniers sombres? Attendez, je vais relire ce qu'il m'a dit parce que un cordonnier sombre, mais il n'y a jamais ça. On va aller voir là-dedans, mais ça m'étonnerait. Peut-être dans sa cave, hein, on sait jamais. Non, du chanvre, il n'y a rien du tout. Mon avis, on va devoir chercher hein, durant cette quête. Je vous préviens, je vais quand même regarder sur internet s'il n'y a pas des petites aides hein, parce que. Et salut tout le monde. Voilà. Alors, je suis en train de regarder une petite vidéo. Bon, apparemment, il faut aller dans la clairière de Bruce Boulgour. Donc, c'est en 12-10. On va voir s'il n'y a pas un zap qui est pas loin. Allez, 12-10, c'est pas grave. On va aller par là. Apparemment, c'est dans la clairière de Bruce Boulgour. Il y a des champignons par terre. Donc, ça, dans un premier temps, c'est cool. Allez, on avance. C'est par là. Allez, on va aller par là. Donc, on va bientôt arriver, je pense, dans le truc de Bruce Boulgour. Et apparemment, il y a des champignons par terre. Et on doit les. Alors, douce, on va monter. Non, faut descendre, en fait, tu con. Allez, on descend. C'est la carte juste en dessous, bien sûr, on ne sait pas y aller. Ah là là là, il y avait des champignons. Voilà, ramasser un champignon. On doit ramener 10. Voilà, 2. À moins qu'on en ramasse plusieurs d'un coup, non. Un petit troisième, ça c'est cool. Ah ben on est dans la clairière de Bruce Boulgour en fait. Alors ici, il y a des trèfles là, un champignon. Et il faut se balader, normalement ça se met en objet de quête, voilà, c'est parfait. On va. Là, il y a encore un champignon. Là, il y en a encore un. Donc après celui-là, on sera déjà à 6. Donc plus que 4. Voilà. Et alors le cordonnier, apparemment, il est en 14-17. Donc on ira une fois qu'on aura nos 10 champis.
Je regarde bien partout pour voir si on n'en rate pas. Voilà, là et là. Donc voilà. 9. Donc on sera à 9 après celui-ci. Donc plus qu'un seul. Et puis on ira en 14-17 pour aller tuer le cordonnier sombre. Allez, on tape les. Les. Ah non, on n'est plus dans la clairière. Pas de champignons. Si ça se trouve, il y en a devant moi, je ne le vois pas. Les champignons. Ici, je suis déjà venu. Oh, bien sûr, vous allez voir pour le dixième, je vais jamais le trouver. Là, un dixième. Voilà, ça c'est bon. Alors après, on doit aller en 14-17. Voilà. Donc alors, 14-17, où ça se trouve? 14-17, c'est ici. Voilà. On va aller à pied, hein. C'est pas très très loin. Allez hop. Par contre, je suis en train de me dire que je créerais bien une petite guilde avec vous pour les personnes qui jouent sur Sumens, histoire que bah, pour ceux qui n'ont pas de guilde, bah, histoire qu'on puisse parler et jouer ensemble tranquille. Ouh là là, il y en a blindé. Et je ferai sûrement une vidéo, si je la crée, en tout cas, je ferai une vidéo comme ça, histoire de... pour le recrutement. Faudrait que je trouve 3-4 personnes déjà histoire de pour les bras droits. Faut que je m'arrange. Je vais essayer de faire ça. Je vous en parlerai, mon avis, dans la semaine. Et puis on créera sûrement une alliance. Et puis on essaiera de regrouper un maximum de guildes avec vous, histoire que ben, on puisse conquérir quelques petites zones. Donc alors ici, le voilà, le cordonnier sombre. Attaquer le cordonnier. Ah, ils sont deux, trois. Oh là là. Allez, hombre. En plus, j'ai le boost de puissance normalement. On va faire comme ça, on le booste. Et voilà. Faire colère noire. Faire le tchal hein. Et crépuscule, voilà, merci d'être venu. Le combat a duré un tour, on réussit le tchal en plus, c'est parfait. Alors on a, oh, on a droppé un truc, qu'est-ce que c'est? Secret de fabrication des semelles de vent. Ah bah tant mieux. Alors qui botte le cul des culbotés? Donc on doit aller ramener à Bowis en 5-1. On va y aller, les fameux champignons qu'on a ramassé, hein. Je vérifie qu'on en a bien 10 parce que oui, c'est de mon genre d'oublier de qu'on en a droppé. Alors, on monte. Et puis apparemment, on va devoir créer des bottes, des semelles de vent. Pas besoin de métier, cliquer sur son atelier, remettre à Bowis. D'accord. Alors, parler. Se mettre au travail. Alors, on va fabriquer des semelles. On va... Alors, quête mise à jour. Pour quelle semelle, pas besoin. Il est où son atelier? C'est pas ça. Fabriquer les semelles, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme crête de discorde? Plume de couac. Deux pierres émeraudes. Attendez, je vais faire un petit screen. Comme ça, je l'aurai devant moi. On va utiliser push. Capture arena. Voilà.
On va aller voir en banque si on n'a pas tout ça. Apparemment, la résine, si je me rappelle bien, ça s'achète à une épicerie. On va voir si on n'a pas une tout près. Une épicerie ici, tout à gauche. On va y aller. Donc, alors, il faut des résines. On va obtenir des cuirs de bouffetou royal. C'est génial. Ah bah c'est ici. Elle est où l'épicerie? Alors, résine d'abracnide, il nous en faut 4. Voilà, ça c'est fait. Il nous faut maintenant des petits trucs. On va avoir dans ma banque si je ne les ai pas. Divers banques. Alors. Il nous faut des graines de Discord. On en a. On nous en faut 8. Les résines, on a. Des plumes de couac devant. On en a. Il nous en faut 10. Il nous faut des ailes de Scara blanc. On va mettre blanc. Des ailes de Scara. Ça, je n'en ai pas. Je vais devoir aller les acheter. Et il faut 2 pierres émeraudes. Ça, je les ai. Voilà. Donc on va aller à l'hôtel des ventes des ressources. Il nous en faut 6, donc on va en acheter 10. Allez, on va voir combien ça coûte. Blanc, aile de scarafeuille blanc. Il y en a plus, t'es sérieux? Aile de scarafeuille blanc. Tant pis, on va aller les dropper. C'est pas le genre de truc qui doit être compliqué, je pense. Pleine d'escarafeuilles, voilà. Nanana. Oh, anarchie. Oui, ils sont un peu beaucoup, j'ai pas envie de me faire des longs combats, je veux juste des blancs. Je veux pas des dédés, je veux des scarafeuilles. Alors, là il y a un blanc. Nanana. Alors, on va tous les ramener sur Ombre. Attendez, on va le booster. Comme ceci. Et comme ceci. Et comme ça, il est bien boosté. Ils ont pas de résine neutre, donc ça c'est bon à savoir. Paf, paf, le CC qui passe. Un petit diabolochiste. Et voilà. Alors bien sûr, on n'a pas eu d'ailes. On va regarder dans le bestiaire pour voir si les ailes sont si dures que ça à avoir. Scarafeuille blanc. Les ailes, c'est 5%. Ça devra aller. Je vais regarder si j'ai pas un bête succès à faire au niveau des scarafeuilles. Si ça se trouve, je l'ai. Scarafeuille. Oh oui, on en aura un petit peu. Je dois juste faire des tchals sur les flammèches. Il n'y a pas de flammèche, mais il y a un blanc. Là, il y a une flammèche. Deux flammèches. Non, attendez. On va refaire le petit combat ici. Comme c'était une toute petite map, ça devrait pas durer de plus de un tour, je pense. Allez, échanger de position. On va se mettre tout près. On va le rebooster like a hell. Voilà, dernier souffle, rebours. Là, il va être bien boosté. Allez, viens tout près. Allez, boum.
On va faire un petit diabolochiste ici. Et on va retourner sur l'autre. Comme ça, on aura utilisé nos PM. On va utiliser les PM comme ceci. Faire un diabolochiste ici. On va utiliser les PM et on va le terminer. Et voilà, on n'a rien droppé, c'est génial. Ah là là, qui aurait ça? Je vais demander à mes amis. Alors. Aurais-tu 6 ailes de scarafeuille blanc pour moi? CTRL-C. On va MP ça à tout le monde. Fisto, il t'a cru que je suis la banque, mais non. Il n'y en a pas en vente, c'est ça le souci. Est-ce qu'il y a plus dans le bus? On n'a pas. Et Istan peut-être. Et au-dessus de Istan, Westfalen. Il est pas cool, merde. Tant pis, on va faire... Là, il y a 3 flammes. Donc on va essayer de faire les 3... Enfin, au moins un tchal. De réussir. Alors, c'est imprévisible. Taper une cible au hasard. Oh mon dieu. Je vais devoir faire tout au tromblon. C'est génial. Je suis même pas capable de tuer une personne, moi. Alors, c'est qui que je dois taper? C'est lui-même. Pef. Pef, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'il me disait, lui? Réponse très explicite. Non, j'en ai pas, je vais voir dans la banque d'Aurel, on sait jamais. Il y a personne qui a ça apparemment, c'est super. Alors, on doit taper la flamèche, ça, ça devrait aller. Ah ouais, merde. Voilà. Il doit aller là-bas. Bien sûr, on ne sait pas y aller. C'est génial. À moins qu'on ait un truc qui... Merde, ça tape en zone. Oh, fait chier. Quoique. Bah non. C'est pas grave, on va le faire le challenge parce qu'il y en a 3 flammiches dedans, donc ça vaut le coup. On va MP à tout le monde, hein, on sait jamais. Alors, les flammiches, celle-là, je devrais la tuer sans souci. Bon, j'arrive, RM, je tue. Alors, il doit taper qui, lui? Pef. On met un petit crépuscule. Pef.
Alors, à combien de temps? On est déjà à 20 minutes pour une seule quête. Hein, c'est un peu long, mais c'est parce que il faut dropper. Donc, ça prend un peu plus de temps. Par contre, je vais me mettre dans le canal ici, histoire que je vois bien qui parle et tout ça, parce que sinon, ça va être le bordel. Faut que je fasse quelque chose pour mon roublard, parce que niveau rocks, c'est pas super hein, pour le moment. Alors une dite zone pour mon SRAM 135, je peux prendre... Free Ghost. Free Ghost, hein, c'est la meilleure heal pour XP. Et on n'a rien droppé, bien sûr, mais on a réussi le challenge, ça c'est bon. Pour l'escarver, donc il faut trouver une flamèche terre. Alors, il en a deux, nickel. Dans deux secs. Il faut juste que je trouve vite fait une flamèche terre. Voilà, là, il y en a une. C'est du plus petit au plus grand. Oh mon dieu. Voilà, donc ça, c'était plus petit. Après, faut taper le rouge. Tez-vous, banque, bonta. Alors, on va inviter lui, il va m'en donner. Et lui, il en a deux. Et moi, je vais en débloquer trois là. Donc, c'est nickel. Alors, c'est qui maintenant? C'est le blanc. Merde, j'aurais pas dû aller là. C'est pas grave. Maintenant, les 40. Il est où? Il est là. Merde, j'ai pas eu le temps de finir mon tour. C'est pas grave. Alors, le rouge. Donc lui on devrait le terminer, c'est bon. Et il restera plus que les 2,42. Que hombre, on va se faire un plaisir de les tuer. Et voilà. Donc là on en débloque 3. On va aller à Bonta. Histoire de recevoir ce que mes amis vont me donner. C'est pas ce que je pense, mais je pense que je dis. Voilà. Donc là, on va en avoir la quatrième. Et Aurel va me passer les deux dernières. On va remercier. Voilà. Et puis on va aller créer. Non, c'est bon, en fait, je les ai. Voilà, il me fait l'échange. Non, c'est bon. Merci, vieux. Bon, on va aller créer ces fameuses semelles de merde là qui nous ont pris 4 heures à la faire. 24 minutes pour créer une paire de bottes, c'est pas mal. Donne le lien, je tourne là, j'irai après. Voilà. Allez, on va monter.
Par contre, la prochaine quête va durer vachement plus longtemps que d'habitude. Pourquoi il veut me vendre ça, lui? Allez, on va créer les bottes. Voilà, on a tout. Les sandales devant. On va lui parler. Donner les semelles. Essayer. Approcher la boussole. Le remercier. Allez, retourne. Utiliser la de Maya. À l'endroit indiqué. On doit aller en. J'irai voir sa chaîne plus tard. Où est-ce qu'on doit aller? On doit aller. Non, je suis déjà allé moi ici. Ah, on doit utiliser la boussole. Alors, où est-ce qu'elle nous emmène celle-ci? Ouf, à Pandala. On va reprendre le zap. Salut Vivi. Pandala, Pandala, c'est où Pandala? C'est ici. Oh Vivi. Tu fais l'épisode. Je peux savoir pourquoi tu fais les pseudos des youtubeurs. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Pourquoi tu fais les pseudos du youtubeur? Des youtubeurs. J'ai pas compris là. Tu peux redire ta phrase en français. Allez, on y va, on n'est pas très loin en fait. Allez, monte. Ah, plus on se voit dans le bus. Alors, voilà. Tungusa. Lui demander si elle a perçu le Dark Vlad. L'interroger à propos de l'esprit dont elle a parlé. Voilà, demander quelque chose de son essai. Répondre par l'affirmative. Partir en quête des âmes. Ah! Et voilà, on a terminé la quête. Qui botte le cul des culs bottés. Ça, c'est cool. Donc voilà, on va terminer la vidéo ici. Moi je vais aller manger parce que dans une heure je stream. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis. C'était la vidéo 430 et donc la 17ème quête pour le Dofus Emerald. Donc on va regarder les succès. On avance. Emerald, vers Emerald. Voilà, donc on en a déjà deux. Plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Caméra plus radical, puis. C'est moi Capi. Hein. Bon voilà, je coupe la vidéo les amis, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Quoique attendez, on va voir ce qu'il va répondre. Capitaine Flamme, plus radical, plus humility. Qu'est-ce qu'il va me dire? Allez, réponds, j'ai envie de voir. Bon, ben tant pis, on aura attendu pour rien. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.